La République de Djibouti a accueilli le 14e sommet de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD, présidé par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. À la veille du sommet, les artères de la capitale ont été décorées par les drapeaux des pays membres de l'IGAD. Les dirigeants des États membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, se sont réunis le lundi 12 juin dernier à Djibouti pour le 14e sommet ordinaire de cette organisation régionale. Les chefs d'État des pays membres de l'IGAD sont arrivés successivement à Djibouti pour prendre part à ce sommet ordinaire, notamment le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Cheikh Mahmoud. À sa descente d'avion, le président somalien, Hassan Cheikh Mahmoud, a été accueilli par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdoulaye Badoun, et le secrétaire exécutif de l'IGAD. Par la suite, le président somalien a eu un bref entretien avec le ministre de la Communication et le secrétaire exécutif de l'IGAD au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti. Ensuite, ce fut au tour du Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, qui est arrivé à la tête d'une forte délégation éthiopienne, dont le vice-premier ministre Demeke Mekonnen et plusieurs hauts responsables. À son arrivée, le Premier ministre éthiopien a été accueilli chaleureusement par plusieurs membres du gouvernement djiboutien et le secrétaire exécutif de l'IGAD. Le président du Sud-Soudan est également arrivé à Djibouti pour prendre part à ce sommet de l'IGAD. Il a été accueilli à son arrivée par plusieurs membres du gouvernement djiboutien. Le président sud-soudanais a été à la tête d'une importante délégation de son pays. À noter que ce sommet de l'IGAD a servi de stand propice à l'appréciation de l'attachement profond à la résolution des conflits et des litiges par la voie du dialogue. En effet, au sein de cette réunion de l'IGAD, le chef de l'État a systématiquement plaidé la recherche de règlements négociés pour venir à bout de tous les différends portés à l'ordre du jour de cette assise. Le vice-président du Conseil de transition au Soudan, le général Malik Akar, était à la tête d'une forte délégation lors de son arrivée à Djibouti pour prendre part au sommet. L'IGAD, qui regroupe Djibouti, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, la Somalie, le Kenya et l'Ouganda, a été créé en 1996 pour favoriser la coopération régionale dans les domaines de la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, la paix et la sécurité et surtout le développement économique ainsi que l'intégration régionale. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, est également arrivé à Djibouti pour prendre part à ce 14e sommet de l'IGAD. Après l'accueil chaleureux, Moussa Faki a eu un premier entretien avec les membres du gouvernement de Djibouti pour discuter de l'importance de ce sommet et discuter également de la situation au Soudan qui était le dossier majeur de ce sommet. Outre les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD, ce sommet se tiendra en présence de nombreux hauts responsables, dont l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, celui de l'Union européenne, ainsi qu'un représentant de la Commission de l'Union africaine.
Le président de la République, Smaïl Margulé, en marge du sommet de l'IGAD, a reçu le vice-président du Conseil de transition du Soudan, le général Malik Akar. L'entretien en aparté avec le vice-président du Conseil de transition de Soudan a été l'occasion de faire le tour dans la situation actuelle au Soudan. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment la situation actuelle au Soudan et le prolongement de la détérioration sur tous les plans du conflit sanglant qui oppose les forces de l'armée au Soudan et la force rapide était également au cœur des échanges entre le président de la République et le vice-président du Conseil de transition du Soudan. Ce sommet est important afin que nous puissions réfléchir et échanger sur la situation qui prévaut au Soudan. Le sentiment général qui se dégage est un sentiment d'inquiétude et de détresse qui exige un leadership déterminé, ainsi qu'une action urgente et concertée de notre part et un engagement de toutes les parties protagonistes au Soudan, a souligné le chef de l'État lors de cette audience. En marge de ce 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part à une réunion tripartite qui a réuni Djibouti, Kenya et le Sud-Soudan. Outre le chef de l'État, le président du Kenya, William Ruto, le président sud-soudanais, Salva Kiir, ainsi que le secrétaire exécutif de l'IGAD, Werkne Gebeyuhu, et le président du comité de médiation de l'IGAD sur la crise soudanaise ont pris part à cette réunion. La crise soudanaise était au cœur des échanges au cours de cette réunion tripartite qui s'est tenue et les conséquences et la crise humanitaire qu'a causé les conflits au Soudan étaient longuement abordées. Le chef de l'État djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu également avec le président somalien Hassan Cheikh Mahmoud, le premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed et le président du Sud-Soudan Salva Kiir ainsi que le président du Kenya William Ruto. Au cours de cet entretien, les leaders des pays membres de l'IGAD ont abordé la situation préoccupante du Soudan et le conflit sanglant qui cause sans cesse de victimes, d'exodes massifs de population sous l'effet des guerres et d'effondrement de nombreuses infrastructures économiques et sociales de ce pays. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'IGAD ont convenu de fixer des objectifs en vue d'élaborer un état des lieux actualisé de la situation sur le terrain au Soudan, afin d'entériner les initiatives propices au retour de la paix et de la stabilité dans ce pays frère. Outre le chef de l'État et du gouvernement des pays membres de l'IGAD, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Werkne Gebeyuhu, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, ont pris part à la réunion. La République de Djibouti a abrité au Djibouti Palace Kempinski la 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et du gouvernement des pays membres de l'IGAD. Le président de la République, Smaïl Omar Guelleh, a présidé ce 14e sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'IGAD. Après la traditionnelle photo de famille des leaders de l'IGAD, le sommet a officiellement débuté en présence de plusieurs hauts responsables régionaux et internationaux. Les pays membres de l'IGAD qui regroupent Djibouti, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, la Somalie, le Kenya et l'Ouganda se sont réunis à Djibouti pour discuter de plusieurs sujets à l'ordre du jour dans l'agenda des chefs d'État et gouvernement des pays membres de l'IGAD, notamment la situation au Soudan et le prolongement de la détérioration sur tous les plans du conflit sanglant qui oppose les forces de l'armée au Soudan à la force rapide depuis le 15 avril dernier qui était donc au cœur des échanges entre les leaders de l'IGAD. Outre la situation au Soudan qui occupe une place primordiale au cours de ce sommet de l'IGAD, plusieurs points importants ont été également abordés. La situation dans la région, la préservation de la paix et de la sécurité dans les pays membres, la prévention des catastrophes naturelles et le défi humanitaire, ainsi que les conséquences du changement climatique. Djibouti donne une fois de plus, à travers le sommet crucial de l'IGAD, qu'elle a abrité la pleine mesure de sa capacité à cadrer avec le profil de plateforme privilégiée de règlement des différends qui émergent dans cette partie du monde. Outre le chef d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD, ce sommet s'est tenu en présence de nombreux hauts responsables, dont l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, celui de l'Union européenne, ainsi qu'un représentant de la Commission de l'Union africaine.
Après l'ouverture officielle du sommet des chefs d'État des pays membres de l'IGAD, ainsi que les hauts responsables des organisations régionales et internationales, se sont succédés à la tribune du sommet, notamment le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workney Gebeyehu, qui a souligné l'importance de ce sommet pour discuter de la situation sécuritaire au Soudan et les principaux défis des pays membres de cette organisation. Your Excellencies, we must recognize the momentous and positive developments in the peace and security for the IGAD region, beginning with the IGAD-driven dialogue on the sideline of 39th Extraordinary Assembly of IGAD Heads of State and Government held in July. Nous devons reconnaître les développements importants et positifs en matière de paix et de sécurité dans la région de l'IGAD, en commençant par l'initiative de l'IGAD, la paix et la sécurité dans la région de l'IGAD, de la dialogue menée par l'IGAD en marge de la 39e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD qui s'est tenue en juillet 2022 et qui a permis de désamorcer les tensions dans la zone frontalière commune entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République du Soudan. Cependant, Excellence, les gains que nous avons tirés de cet accord sont aujourd'hui érodés par le conflit en cours dans la République du Soudan, qui a entraîné d'immenses souffrances, des centaines de nos frères, sœurs ayant perdu la vie, des milliers ayant été blessés et plus de 1,4 million de déplacés depuis que les combats ont éclaté il y a à peu près 2 mois, le 15 avril dernier. Je salue la réaction rapide de vos excellences, sages et concernées, des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD qui ont convoqué un sommet d'urgence le 16 avril, moins 24 heures après le début des hostilités, pour répondre à cette situation et s'efforcer de la contenir. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, a également prononcé un discours dans lequel il a fait le point sur les enjeux majeurs de la crise au Soudan ainsi que les conséquences humanitaires, sécuritaires dans la région et le continent africain. Excellencies, the extreme seriousness of the violent crisis that is engulfing brotherly Sudan and the dangerous. Excellence, l'extrême gravité de la crise violente qui a englouti le Soudan frère et les menaces dangereuses qu'elle fait peser sur l'existence de ce pays et toute la région sont évidentes. Toutes les analystes s'accordent à dire que cette guerre ne s'arrête pas immédiatement. La guerre civile persistera, le chaos prédera et l'État soudanais s'effondrera totalement. Excellence, chef d'État et de gouvernement, depuis le déclenchement des violences le 15 avril dernier, j'ai entendu certaines personnes répondre à des mensonges sur la position de l'Union africaine. La crise soudanaise est d'une telle ampleur qu'elle ne permet aucune division des rangs. Cela appelle à une action rapide et appelle à une action unie et solidarité forte de nos parts. J'appelle donc à une unité totale dans les organisations régionales et continentales et l'Union africaine. Cela le signifie à la condition de l'effectivité de nos solidarités avec le Soudan. C'est l'impératif d'atténuation de l'ingérence étrangère. C'est la condition sine qua non pour mobiliser nos partenaires et de les faire adhérer à ce principe fondamental des solutions africaines aux problèmes africains dont la crise soudanaise est le prototype. Par la suite, l'envoyée spéciale des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, Madame Anna, a exprimé la préoccupation majeure des Nations Unies de la situation actuelle au Soudan et les conséquences de la crise humanitaire qu'a causé le conflit au Soudan. The holding of this summit during this challenging time is yet another demonstration of IGAD's commitment to addressing the challenges of this region. I wish to reiterate the enduring commitment of the United Nations to support IGAD's efforts in this regard. La tenue de sommet en cette période difficile est une autre démonstration de l'engagement de l'IGAD à relever les défis de cette région. Je tiens à réitérer l'engagement constant de l'ONU à soutenir les efforts de l'IGAD à cet égard. L'évolution de la situation en République du Soudan préoccupe gravement l'ONU, comme c'est le cas pour chacun dans cette salle. Le conflit en cours fait des ravages sur l'ensemble du pays et aussi sur les voisins du Soudan. Et nous souhaitons tous contribuer de manière constructive à faire taire les armes. Inutile de dire que les civils portent le poids de ces conflits et que l'impact humanitaire est stupéfiant. Ce conflit ne sera pas résolu par plus de combats. Il est important de prendre des mesures fermes sur la voie de la paix, d'avoir un cessez-le-feu durable suite à la cessation des hostilités, de faciliter les livraisons humanitaires et le soutien aux civils. Et nous attendons avec impatience la reprise du dialogue politique pour mettre fin à ces situations de conflit et de troubles. Nous apprécions les actions des voisins de la République du Soudan qui ont ouvert leurs frontières aux réfugiés tout en faisant face à leurs propres défis particuliers. Et notons que les conséquences du conflit se font sentir non seulement dans la violence, mais dans l'augmentation de la pauvreté. Car c'est une région qui a tant de patrimoine, de culture et de ressources.
Nous pensons que nous serions tous mieux lotis si le monde connaissait la région de la Corne de l'Afrique pour les trésors qu'elle possède et non pour les conflits qui persistent actuellement. Le vice-président du Conseil de transition du Soudan, le général Malik Akar, a prononcé de son côté un discours pour faire un inventaire général de la situation actuelle dans les pays de la région membres de l'IGAD. Your Excellencies, this meeting here today gives us the opportunity to take a stock of the tremendous achievement we have made in responding to the multitude other non-security challenges affecting our states and citizens. La réunion d'aujourd'hui nous donne l'occasion de faire le point. Nous avons accompli des progrès considérables pour répondre à la multitude des défis liés à la sécurité qui touchent nos États et nos citoyens. Les conséquences de la pandémie du Covid-19 continuent de se faire sentir dans la vie et les moyens de subsistance des populations et dans la reprise économique, dans un contexte de taux d'inflation élevé qui a rendu le prix des denrées alimentaires essentielles hors de portée aux populations vulnérables. La sécurité alimentaire reste une préoccupation commune et partage non seulement ici dans notre région, mais dans le monde entier. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre région sort actuellement de la pire sécheresse ces 40 dernières années et les conditions météorologiques récentes ont montré qu'après une sécheresse extrême, il y a des inondations généralisées qui provoquent le déplacement de nos citoyens et aggravent encore la situation de la sécurité alimentaire de nos pays. J'appelle donc chacun d'entre nous à s'unir pour répondre à la situation actuelle, tout en continuant à trouver des solutions aux défis chroniques, à la sécheresse et à l'insécurité alimentaire qui ont fini par définir notre région. Excellences, chers frères, enfin, j'appelle nos États membres, nos partenaires, la communauté internationale à redoubler leur soutien à tous les efforts déployés par l'IGAD en faveur de la paix, du développement de l'intégration régionale. Saisissons cette occasion pour renforcer les engagements diplomatiques et pour tirer parti de la bonne volonté qui existe entre nous, entre la communauté, les pays liés, l'indépendant et interconnecté, afin d'instaurer une paix durable et de trouver des solutions durables pour nos populations. Je remercie l'ensemble des chefs d'État, nos partenaires multinationaux, en particulier l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les pays de coopération du Golfe, qui ont pris des engagements significatifs et apporté des contributions tangibles avec le soutien politique, diplomatique et matériel pour des vraies solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés dans la région. Le président de la République, Smaïl Omar Guelleh, a prononcé un important discours pour témoigner de l'engagement collectif des pays membres de l'IGAD en faveur de la coopération régionale de la paix et du développement. Il a indiqué que le sommet de l'IGAD a servi de plateforme indispensable pour relever et faire face aux nombreux défis auxquels les pays de l'IGAD sont confrontés. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله Excellencies, heads of states and governments, excellencies, ministers and heads of delegations, commissioner for peace and security, Mr. Special Representative of the Secretary General of the United Nations, distinguished members of the diplomatic corps and international organizations, ladies and gentlemen. Excellences, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur les ministres et chefs de la délégation, Monsieur le commissaire à la paix et à la sécurité, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais exprimer ma sincère gratitude à tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont pris le temps de venir pour prendre part avec nous aujourd'hui à Djibouti malgré leur emploi du temps chargé. J'ai le grand plaisir de souhaiter à chacun d'entre vous une chaleureuse bienvenue au 14e Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD. Excellences, chers frères, votre présence ici aujourd'hui témoigne de notre engagement collectif en faveur de la coopération régionale, de la paix et du développement. Comme vous le savez, depuis sa création par nos pères fondateurs, il y a près de 40 ans, l'IGAD a servi de plateforme indispensable pour élever et faire face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Qu'il s'agisse de l'intégration économique, du changement climatique, des menaces sécurité ou des conflits régionaux, ces réunions nous offrent donc une occasion unique d'engager un dialogue ouvert et constructif sur les questions qui importent pour nos nations et nos peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis nos dernières réunions il y a 4 ans, beaucoup de choses ont changé dans notre région et dans le monde. Nous avons la responsabilité de guider nos nations à travers ce temps difficile vers le développement, la paix et la stabilité. En effet, pour relever ce défi, il faut un leadership audacieux, des solutions innovantes et une vision commune qui va au-delà des frontières et de l'idéologie.
J'espère donc au cours de ce sommet que nous engagerons dans les discussions solides, fructueuses. On ne doit pas négliger aucune piste dans notre quête d'idées novatrices et de résultats tangibles. Les décisions que nous prendrons, les accords que nous conclurons, les engagements que nous prendrons façonneront l'avenir de nos nations. Je vous remercie. The decisions we make, the agreements we reach, and the commitments we undertake will shape the future of our nations. I thank you all. Après une réunion à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD ont adopté un traité, gage de clarté procédurale, élaboré sur le principe d'instruments modernes de droit et l'instauration d'une plus grande souscription des pays membres de cotisation de l'organisation, qui sont les réformes les plus emblématiques entérinées dans ce volet lié à l'amélioration des dispositions structurelles de l'IGAD. Outre le président de la République, Ismaël Marguelé, le président somalien, Hassan Cheikh Mahamoud, le président kényan, William Ruto, le président sud-soudanais, Salva Kiir, le premier ministre éthiopien, Dr. Abiy Ahmed, et le vice-président du Conseil de transition du Soudan, le général Malik Akar, et la ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda ont signé le traité. Ce traité regroupe l'ensemble des engagements des pays membres de l'IGAD afin de mener à bien les missions et objectifs de l'IGAD, notamment la promotion des stratégies conjointes de développement et l'harmonisation progressive des politiques et programmes macroéconomiques dans les domaines social, technologique et scientifique, la promotion également de la paix et de la stabilité dans la région en vue de créer des mécanismes au sein de la région pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits interétatiques et intraétatiques à travers le dialogue, ainsi que l'initiation et la promotion des programmes et des projets visant à assurer la sécurité alimentaire régionale et le développement durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement, et l'encourager donc et soutenir les efforts des pays membres pour lutter contre la sécheresse et les autres catastrophes naturelles, tout ceci étant donc les défis et les engagements que le chef d'État et gouvernement ont signés donc à la fin du sommet du chef d'État et de gouvernement. Le président du Kenya, William Ruto, a prononcé la déclaration du sommet de l'IGAD. The summit did meet and appoint a troika on the matter of Sudan. We have agreed as heads of state and the leaders of delegation that we expand. Le sommet qui s'est réuni aujourd'hui a désigné trois pays pour suivre le dossier au Soudan. Nous avons convenu en tant que chef d'État et chef de délégation d'élargir les trois pays pour ajouter un quatrième pays qui est l'Éthiopie. Ces quatre pays de l'IGAD vont suivre de près la situation au Soudan. Nous avons également convenu que Salva Kiir étant désormais le vice-président de ce quartet. En ce qui concerne la situation au Soudan, nous sommes tous d'accord en tant que chef d'État et de délégation pour dire que la question au Soudan est grave, sérieuse et urgente. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'agir urgemment. Les quatre pays composés de l'Éthiopie, Kenya, Sud-Soudan et la Somalie vont se réunir dans les 10 prochains jours avec le général des armées soudanais, Burhan, et le chef des forces rapides soudanais, M. Dagalo, pour aborder les divergences en vue d'arrêter la guerre qui fait rage au Soudan, de mettre un terme à toutes les hostilités, s'assurer que tous les parties prenantes soient engagé pour mettre fin à ce conflit, pour sauver la vie des citoyens soudanais ainsi que les infrastructures au Soudan qui sont actuellement détruites. Des milliers de personnes ont également perdu leur vie et d'autres ont été forcés de quitter le pays. Il est donc urgent d'arrêter ces conflits. Nous avons également convenu que dans les 2 semaines à venir, nous discuterons avec les généraux de mettre en place un corridor humanitaire au Soudan afin que les aides humanitaires soient acheminées aux plus vulnérables, en particulier les enfants, les femmes, les personnes blessées et toute la population soudanaise touchée par ce conflit. En troisième position, nous avons également convenu d'entamer au cours de ces 3 prochaines semaines, un processus de dialogue national soudanais inclusif afin de donner aux Soudanais l'occasion de discuter, d'aborder les problèmes et la situation actuelle dans leur pays. Ce dialogue va permettre également
aux deux parties en conflit la possibilité d'envoyer des représentants pour prendre part à ces dialogues entre les Soudanais. Enfin, nous avons également prolongé le mandat du secrétaire exécutif et convenu que le Conseil de ministres des pays membres de l'IGAD décidera les deux directeurs exécutifs adjoints et des secrétaires exécutifs adjoints. Je vous remercie pour votre attention. Ce 14e sommet de l'IGAD a été marqué également par la passation de la présidence de l'IGAD au président de la République, Smaïl Omar Guelleh. Le président de la République, Smaïl Omar Guelleh, a prononcé un important discours à l'occasion de la passation de la présidence pour une durée d'un an. Le chef de l'État a remercié pour la confiance qui lui a été portée. Il a indiqué son engagement à réaliser les objectifs de cette organisation régionale, consolider la paix et la sécurité dans notre région en vue de l'intégration régionale et un développement économique. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement et du peuple de la République de Djibouti, je suis ravi d'accepter la présidence de l'Assemblée de l'IGAD. C'est un honneur que vous, chef d'État et de gouvernement, et chers frères, m'avez accordé ainsi qu'à mon pays. Je mesure l'honneur et la responsabilité qui s'attachent à la confiance que vous venez de m'investir avant, afin de conduire aux destinées de notre organisation pendant un an. Je vous en remercie et vous assure de mon engagement sans faille à travailler de concert avec tous les pays membres dans l'exercice de mon mandat. Je voudrais tout d'abord féliciter le président sortant, Son Excellence Général Burhan, du Conseil souverain du Soudan, pour son leadership malgré des conditions difficiles. Ma gratitude va également au secrétaire exécutif, notre frère Dr Workene Gerayo, et l'ensemble de ses collaborateurs pour la manière efficace avec laquelle il continue à gérer les affaires du secrétariat délégué. Presque quatre décennies après sa création, nous pouvons être fiers des progrès accomplis par notre organisation. En même temps, nos défis restent nombreux et pressants. Au cours de cette présidence, je m'attacherai à mener à bien la lourde tâche qui m'est confiée en avançant dans la poursuite et la réalisation des objectifs que s'est fixé notre organisation à travers sa vision 2050. Il s'agit de consolider de prime abord la paix et la sécurité dans notre région, condition préalable au développement économique et à l'intégration régionale. Conscient de ce défi sécuritaire, je m'engage à ne ménager aucun effort pour que notre région puisse faire face aux menaces et parvienne à une paix et une stabilité durables. La situation alarmante qui prévaut au Soudan est au centre de nos préoccupations et je peux vous assurer de ma totale disponibilité au sein de la Troïka afin de trouver une solution rapide à ce conflit. Nous nous réjouissons des progrès accomplis par la Somalie ces dernières années ainsi que la tenue des élections parlementaires et présidentielles. Enfin, une autre question que j'estime essentielle durant mon mandat et surtout avec votre appui est le renforcement de la capacité institutionnelle de l'IGAD pour un fonctionnement optimal. Nous avons en effet déjà engagé de nombreuses réformes importantes qui devront pour le bien de notre organisation être mises en œuvre rapidement. Je peux vous assurer que la défense et la promotion des intérêts de notre institution seront tout au long du mandat qui me choisit au cœur de mes préoccupations. Avec votre soutien, chers frères, mesdames et messieurs, je ne doute pas que nous parvenions ensemble à écrire une nouvelle page de l'histoire de notre organisation.
Je vous remercie. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le président somalien, Hassan Sheikh Mahmoud, le président kényan, William Ruto, ainsi que le premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, ont procédé à l'issue de cette cérémonie et de ce sommet à la plantation des arbres au nouveau siège de l'IGAD qui est en cours de construction. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la promotion de la paix dans la région, le renforcement des liens entre les États membres de l'IGAD en vue d'unir leurs efforts pour trouver des solutions efficaces sur le long terme aux problèmes les plus important des pays membres de cette organisation régionale. À noter que l'IGAD a de valeur de centre névralgique et d'instance majeure de prise de décision pour les pays de la région, notamment en matière de prévention, de régulation et de traitement des problématiques les plus en vue dans cette partie du monde. La coexistence pacifique des peuples, la lutte contre toutes les formes d'extrémisme, dont le terrorisme, et la réalisation d'une intégration économique efficiente à l'échelle de la région, constituant entre autres les principales missions de l'IGAD. À l'issue de ce 14e sommet de l'IGAD, le secrétaire exécutif de cette institution, Workne Gebeyuhu, a indiqué que le sommet de l'IGAD a été l'occasion pour les dirigeants de se pencher sur la situation au Soudan. La passation de la présidence de l'IGAD au président Ismaël Omar Guelleh, qui ont été donc les moments forts de ce 14e sommet ordinaire de l'IGAD. This is the most anticipated day for the region because of the nature of the meeting. This is an ordinary session which is happening after 4 years. On peut dire qu'aujourd'hui est un jour très attendu par les pays de l'IGAD en raison de la nature de la réunion. Il s'agissait d'une réunion ordinaire qui s'est tenue donc après 4 ans et nous avons eu beaucoup de sessions extraordinaires. Il y a donc deux choses très importantes à retenir. La première est que la situation actuelle au Soudan et le défi auquel nous sommes confrontés dans ce pays est très important. Ce sommet donc a discuté sur la base de la proposition de la réunion tripartite des chefs d'État et de gouvernement dirigée par le président Salva Kiir d'une feuille de route claire sur la manière de résoudre le conflit au Soudan. Ce sommet a également mis l'accent sur le fait que nous n'avons pas le temps, nous devons agir rapidement face à la situation. Nos frères et sœurs au Soudan souffrent de déplacements, de pénurie de nourriture, de défis quotidiens, les défis les plus importants, et donc celui-là. La deuxième chose est d'ordre institutionnel. Et nous avons approuvé le traité de l'organisation qui est l'une des composantes les plus importantes de l'organisation qui stipule que le règlement est tout ce qui concerne l'organisation. L'autre moment fort est la passation de la présidence de l'IGAD au président de la République de Djibouti. Il va jouer un rôle pivot pour le développement et le renforcement de cette organisation pour être une organisation fondée sur des règles et une organisation qui travaille avec prévisibilité. Au lendemain du sommet de l'IGAD, les dirigeants des pays membres de l'IGAD ont regagné leurs pays respectifs, rappelant que ce 14e sommet ordinaire de l'IGAD a débouché sur des décisions phares sur la situation au Soudan et l'élection du chef de l'État djiboutien Ismaël Omar Guelleh à la tête de la présidence tournante de l'organisation régionale pour la durée d'une année. Le vice-président du conseil de transition du Soudan, le général Malik Akar, a quitté le pays. Lors de son départ, il a été accompagné par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Le premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, qui a quitté après sa participation à ce 14e sommet la capitale, direction Addis Abeba. Le premier ministre éthiopien a été accompagné d'une forte délégation et avait pris part aux côtés des chefs d'État des pays membres de l'IGAD au 14e sommet de chefs d'État de l'IGAD. Lors de son départ, le premier ministre éthiopien a été salué à l'aéroport de Djibouti par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Ensuite, le président sud-soudanais Salva Kiir a également quitté le pays après sa participation au 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'IGAD. À son départ à l'aéroport international de Djibouti, le président Salva Kiir a été salué par le ministre de la Justice, Ali Hassan Badone. Et le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, a quitté également le pays à l'issue de sa participation à ce sommet ordinaire de l'IGAD. Le président somalien a été accompagné par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Badone. Ma iskuntak ya sagasi ya sagositi.
Oh.